Seulement 5,5% des enfants bénéficient à ce jour d'un encadrement préscolaire en Côte d'Ivoire. L'éducation préscolaire, comme la santé-nutrition, la protection, l'hygiène et l'accès à l'eau potable, sont une préoccupation dans le cadre de la prise en charge du jeune enfant. Cette approche intégrée du développement de l'enfant âgé de 0 à 8 ans fait l'objet d'un projet inscrit dans le programme de coopération Côte d'Ivoire-UNICEF. Mis en œuvre depuis 2008, le projet Éveil et développement intégré du jeune enfant est en revue. Les différents acteurs impliqués sont réunis en atelier bilan afin de partager et d'analyser les acquis. Nous avons des modules qui ont été constitués, un document d'éducation parentale parce que le père et la mère doivent voir leurs capacités renforcées. Et il y a des infrastructures qu'on a dû mettre en place sur le terrain. C'est un ensemble de structures qui prennent en charge le petit enfant avant qu'il aille à l'école primaire. Donc c'est toute la préparation préscolaire qui nous intéresse. La mise en œuvre du projet Éveil et développement intégré du jeune enfant devra s'achever en 2015. À l'issue de ce bilan, de nouvelles perspectives vont être définies. Car malgré les efforts consentis par le gouvernement de façon sectorielle, beaucoup reste encore à faire. La prise en charge intégrée de l'enfant n'est encore assurée ni par les structures spécialisées, ni par les parents.